Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Noctis et Yuna. Alors là aujourd'hui les amis, je vous présente Driver 2 pour la collection des jeux d'avant. Alors Driver 2, on est dans la peau de Tanner et le mec il peut aller dans plusieurs villes. Enfin là on a quatre villes, Chicago, La Havane, Rio, Las Vegas. Donc là actuellement moi je suis à Chicago. Et c'est une histoire de baron, du crime, de la drogue, enfin bon c'est tout un bordel. Mais moi ce que je veux vous montrer... C'est le gameplay, donc on va parcourir un peu la ville. Comme vous voyez, en bas à droite, on a une petite map, donc c'est cool pour se repérer. Et surtout, en haut à gauche, c'est ça qui compte. C'est pour ça que je ne mets pas de caméra pour ces petits games. Ce qui compte, c'est surtout les dégâts et les effractions. Parce qu'à un moment, quand je fous trop le bordel, eh ben, c'est comme dans GTA, je me fais ramasser par la police. Alors on y va les amis, on va conduire. Cette fois, contrairement à d'autres jeux d'avant, je peux utiliser le stick. Allez, je fais des petits tests parce que moi, je prends le jeu avec vous. Tiens, je vais aller par là. Ah, je peux. Ah, c'est vraiment maniable. C'est un peu plus sympa. Dégâts. Alors, je teste un peu les boutons. Ok, là, je fous un peu le bordel. Ouais, c'est vraiment beaucoup plus maniable. Hein. Ça, c'est assez sympa. Ah, là, je freine. Qu'est-ce que ça fait si je fais ce bouton-là? Ok, là, je vois ici. Ok, je fais des petits tests, les amis. Très, très bien. On va essayer de foutre un peu le bordel dans la ville. Je sais pas, par exemple, on va aller ici. Je peux vraiment pas écraser les gens, par contre. Hein. Alors à la base, c'est un jeu où tu as des objectifs, tu dois aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. C'est vraiment très sympa. Là, je vais essayer de foutre un peu le bordel. Effraction, je ne sais pas comment on fait des effractions. J'aimerais bien réussir. Bon, en tout cas, voilà, la ville de Chicago, elle est pas mal représentée. Bon, moi, je suis jamais allé à Chicago, mais enfin bref. Je crois que quand j'avais fait mes petites recherches à l'époque, j'avais remarqué des petites similitudes, c'était sympa. Est-ce qu'il y a des effractions en faisant ça? Non. Donc là, j'ai mon klaxon. Ok. Allez, on va aller... Oh! Je peux pas péter le poteau, les amis. Alors, ah, d'accord. Alors, dans les jeux d'avant, tu peux pas péter les poteaux. Tiens, la police! Voilà! Peu d'action, les amis. Youhou! Je me fais courser par la police! Youhou! Ah, j'ai pas d'autre vue par contre. Hein. Mais laissez-moi! Ok! Ah, il s'est pris le truc. Ah, en fait, on peut jamais tuer, on peut jamais écraser les gens dans ce jeu. Ouais, ça, on peut pas. Allez, les petits jeux d'avant, regardez. Alors, le décor est... Ah, regardez, oh, on est dans les Blues Brothers, là, les amis, oui. Oh, les effractions, ça y est, bah, j'ai compris comment ça se passe. Alors, en fait, quand tu passes d'un point A à un point B, bah, dès que tu fais des conneries, t'as des effractions, et là, t'as les flics au cul. Et c'est mort. Après, c'est mort. Tu peux plus rien foutre. Mais non, tu m'as pas perdu de vue. Je vais te montrer. Regarde, je suis là. Putain, les amis, je sais plus conduire. Ça devient difficile à force hein, quand tu commences à jouer comme de la daube. Tiens, elle est là, la bagnole de police qui est foirée, là. Vous avez détruit votre véhicule, alors ok, bon, bah, on a vu un petit peu le moyen. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir d'ici, ouais les amis, et je vais essayer de lancer une mission, voir comment ça se passe. Alors si je me rappelle bien, il y a peut-être, au début, on vous apprend à conduire, tiens, en mission. Nouvelle partie. Oh, allez, on va peut-être avoir une cinématique du coup. Ça va vous expliquer un petit peu.
Driver Bar. Red Driver Bar. C'est dans la musique. Ça va, un petit blues, les amis, un petit blues. Ah là, il y a un mec qui arrive là. Ça va cracher à mon avis là. Oh putain, il va se faire déglinguer celui. Ouais, je crois que là, c'est nous qui allons enregistrer ta mort, mec. Red Driver Bar. Ah, le bottleneck, c'est joli. Putain, ça va fumer, les amis, là. Oh là là, ça a l'air chaud. Oh là là, les amis, ça va chier. Ah ouais, là, ça serait comme ça là-bas. Oh là là. Ah, ça commence bien le game. Lui, il est au chiot, il est où, lui? Là, il est en stress, le mec. Hein. Ah non, il est pas au chiot, il est juste là. Putain, il a réussi à s'enfuir. Ah là 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 là. Police, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Tu sais ce que c'est Mark Fulter Jones, n'est-ce pas? T'as déjà entendu parler d'Alvaro Vasquez? Bien sûr. Le bureau, c'est qu'Alvaro Vasquez est à la tête des... C'est en train de péter. Ah, le mec s'est bien fait déglingo. Alors ça, c'est un des gars qui est mort dans le bar, je pense. T'as déjà vu des photos de lui? Non. Parce que personne n'a même jamais vu son permis de conduire. Personne. Il n'existe même pas. Personne. Un ce nom. Ce qu'on sait, c'est que c'est Marc, signifie que c'est l'un de ses hommes. J'espère que vous entendez bien le son, les amis. Non, et lui a eu la bouche remplie de balles de Mauser et on lui a collé les gencives avant de lui mettre le feu à la tête. Écoutez, voilà le topo. La fusillade a eu un témoin. Ce dernier a vu un mec du nom de Pink Laney, assis à côté Pink Laney. Hier, ce témoin s'est barré. Et on ne sait plus lors qu'est-ce qu'il a bien voulu dire. Mais on sait bien plus sur Pink Laney. Je veux que vous passiez et que vous commenciez le surveillant. Ok, on va surveiller, on va surveiller. Allez, c'est parti, moi je veux avancer un peu. Veuillez attendre, eh ben ok, j'attends. Et pas de souci, j'attends chargement. Alors, est-ce qu'on a une première mission? Faut livrer un paquet, faut livrer un corps, faut livrer un pneu, faut livrer, je sais pas, quelqu'un, un truc. Qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Qu'est-ce qu'on va faire? Témoin oculaire. Eh, les musiques sont sympas là-dedans, en tout cas. Joe est à l'appareil. Il y a de l'action. J'ai trouvé notre témoin et il est vraiment inquiet. Il est prêt à se sauver. Ramène-toi ici avant qu'il ne se barre. Voilà, c'est ça le but du jeu, les amis. Il faut aller de point A au point B, comme je vous disais. Et ça commence comme ça. Ah, génial, je savais même pas qu'on... Oh putain, la caméra, les amis, c'est une daube. Oh là là là, c'est une daube. Attends. Ok, triangle. Allez vers Jones. Alors, à mon avis, il faut suivre la carte, là, la map, là, le truc. Allez, une petite mission. Bah, tais-toi donc. Putain, la maniabilité, ça laisse un peu à désirer, les amis. C'est un peu difficile. Alors, j'ai 2 minutes 30, vous voyez, c'est toujours comme ça. Alors, il y a des moments dans Driver, tu te tires les cheveux. Hein. Honnêtement, tu deviens cinglé. Ah merde, j'ai cru que c'était la rue.
Alors, voilà. À mon avis... Ah ouais, non, faut peut-être rejoindre la grande route là-bas. Voilà, je vais essayer ça. Oh putain, mais la maniabilité, les amis, c'est une dôme. Oh là 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 là, mais foutez-moi la paix là. C'est un peu plus difficile à conduire que ce que je pensais finalement. C'est peut-être parce que t'as un petit moment de stress aussi, je sais pas. Voilà, faut relâcher, tranquille, sans trop se prendre la tête. 1 minute 49, je peux y arriver. Alors, je vais faire une ou deux missions, les amis, c'est pour vous montrer là, parce que je veux faire des petits formats pour ces jeux-là. Ou alors, si ça dure trop longtemps celui-là, bah, j'irai. Voilà, je vous ferai une seule mission. J'essaye de ne pas me faire trop remarquer, les amis, pour pas qu'on m'emmerde. Voilà, donc là, vous voyez que sur la map, ça se réduit. Donc, c'est que je commence à arriver près de mon objectif. Ça, c'est une bonne nouvelle. De toute façon, là, moi, je sauvegarde pas ni rien, les amis, c'est pour vous montrer. Hein. Oh, ça, c'est une bagnole de flic, ça, non? Ah non. Voilà. Donc là, on est à Chicago, je suppose, encore, là, c'est ça? 1 minute 12, là, il faut que je me manie un peu, là. Faut que je me magne un petit peu. Allez, allez, je vais par là. Moi, je passe là, j'en ai rien à foutre. 50 secondes, les amis. Ça y est, le stress va monter. Ça, 48. Ah, je sais pas trop comment. Ah, oh, dégage, toi. Je pense qu'il faut aller là, non? Aller dans la voiture de Jones. Comment je descends de la caisse, les amis? J'y arrive pas! Merde! Mais putain, les amis, je peux pas sortir de la caisse. Mais comment on descend? Je sais pas comment on descend. Bah, les amis, c'est mort. J'ai aucun bouton pour descendre de la bagnole. C'est une dinguerie. Je sais absolument pas comment on fait. J'essaye tous les boutons, il y en a pas un qui fonctionne. C'est pas possible ce qui se passe. Bon, bah, les amis, il y aura pas d'autres missions. On va peut-être refaire un jeu libre. Trop tard, le témoin est parti. Je sais pas. Alors, sortie, je vais vous montrer une deuxième ville. Et puis, ce sera bien. Voilà. J'ai fait tous les boutons, les amis. Il n'y en a aucun qui me permet de sortir de la bagnole. Voilà, les bugs des jeux d'avant. Ah, c'est un truc de ouf. Fais une virée, la Havane, et on va faire de nuit, tiens. Suivant. Ah, c'est des vieilles bagnoles. Tiens, celle-là. Allez, on va voir ça, les amis. On va faire une petite virée à la Havane. Comme ça, vous voyez un petit peu le style. Donc, vous avez vu le jeu, c'est ça. Hein. C'est vraiment, vous avez des missions. Il faut changer de bagnole. Il faut aller vite. Des fois, vous êtes poursuivi par la police. Voilà, mais Driver 2, c'est vraiment sympa. Moi, celui-là, je l'ai fini il y a très, très longtemps. Je ne m'en rappelle plus. C'est PS1, les amis. J'ai la version Platinum. Ah d'accord, on voit vraiment que dalle là. Ah ben on va bien se faire chier là, je pense. Ah quand ils disent de nuit, ils rigolent pas ici. Hein. Ok, est-ce qu'on peut faire des trucs marrants? Ah, attends, est-ce que je peux sortir de ma bagnole? Non, là je peux pas. Je peux pas continuer. Donc c'est pas comme dans GTA où on sort de la caisse comme on veut. C'est ouais. Ça va sur la vidéo, on voit pas mal. Mais franchement, honnêtement, c'est un peu compliqué pour moi là au niveau du gameplay là. Bon bah vous voyez, on peut faire vraiment pas mal de petites choses. On va essayer de sortir de ce truc là.
Voilà, tiens, à gauche, il y a peut-être quelque chose de plus sympa à voir. Alors, je sais pas où est-ce qu'on passe, là. Voilà, ici, on va aller voir là, un petit peu. Olé ! Ok. Je vais sortir de la grande zone. Est-ce qu'on peut pas voir une zone un peu plus sympathique ? Non, il n'y a rien là non plus ? Ok. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Hein. Par contre, ici, c'est un petit peu relou. Ah, je suis dans les bois, les amis. Yeah ! Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des petites virées où on veut. Et surtout, on peut aller dans d'autres villes une fois qu'on a débloqué des éléments. Bon, allez, je vais déglinguer ma caisse. Apparemment, on sort pas... J'aurais bien aimé voir autre chose, là, mais bon, c'est pas mal. Comme ça, vous voyez un petit peu le gameplay, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Bon, là, on voit plus rien, parce que j'ai de la fumée de partout. Ah, c'est une vie... Ah, c'est un peu mieux, là, déjà. Oh, merde, c'est carrément les flics que j'ai déglingués. Ah ! Tiens ! Allez, je pète la caisse, les amis, et ce sera bien. Oh là là, ça y est, ils vont tuer. Voilà, votre véhicule est détruit. Eh bien, vous avez vu un petit peu le gameplay du jeu. Alors, les amis, vous avez pas mal de petites missions. Il faut aller des fois, c'est souvent hein, contre le temps. Donc, ça peut être vraiment un petit jeu très sympa. Je pense que vous pouvez kiffer si vous aimez ce genre d'environnement. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas le cas. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo des jeux d'avant. Allez, prenez soin de vous les amis, c'était Noctis. Ciao, ciao, ciao.